Escapade en famille. Il fait un temps superbe ce matin et Connie ne tient plus en place. Elle est si heureuse de partir se promener avec sa maman et son papa. Qu'est-ce qu'il fait beau ! J'adore me promener avec mes parents. Connie, son papa et sa maman traversent la forêt et s'arrêtent près d'un étang. Regardez comme l'eau est claire, on voit le fond. Connie, tu n'as pas envie de venir nager avec moi ? Bob et Connie plongent joyeusement dans l'eau. Marguerite préfère les regarder allongés dans l'herbe. Connie s'ébat en tous sens, le cœur rempli de joie. Mais tout à coup... Oh papa, mes pieds ne touchent plus le fond, je vais couler, qu'est-ce que je dois faire? Allons Connie, ne t'inquiète pas. Écoute-moi, il faut juste que tu remues énergiquement les pattes et tu flotteras à la surface exactement comme un petit bateau. Tu t'en sors très bien, Connie. Ça y est, tu as appris à nager. Oui, et c'est grâce à toi, papa. Connie passe une magnifique journée avec sa maman et son papa. Quand, soudain... Oh, sortez vite de l'eau, tous les deux. L'orage va éclater. Maman a raison, il commence déjà à pleuvoir. Dépêchons-nous, sortons. Le violent orage déverse des trompes d'eau sur toute la campagne. Et si les escargots accueillent avec joie cette averse, ce n'est pas le cas pour les vaches, qui courent à la recherche d'un endroit où s'abriter. Connie réalise à ce moment combien la présence de sa maman et de son papa la rassure. Sitôt que la pluie cesse, Connie et ses parents reprennent le chemin de la maison. Mais une énorme surprise les attend lorsqu'ils atteignent la rivière. Oh, regardez comme le niveau de la rivière a monté! Il a tellement plu qu'elle a atteint son niveau maximal. Nous ne réussirons jamais à la traverser. Eh bien, dans ce cas, nous rentrerons à la maison en passant par la montagne. Ils marchent et marchent encore jusqu'à ce qu'ils arrivent au pied de la montagne. La nuit ne va plus tarder à tomber, papa. Où allons-nous dormir? Je connais une très belle grotte où nous pourrons passer la nuit. Suivez-moi, ce n'est pas loin. Connie se sent très heureuse. Elle est en train de vivre une grande aventure en compagnie de sa maman et de son papa. Mais dès qu'ils aperçoivent la grotte, ils constatent que la chute d'un énorme rocher en a bloqué l'entrée. Bonjour tout le monde! Bonjour! Oh, c'est mon ami Pompon l'ourson! Bonjour Connie, tu as vu ça? Le vent et la pluie ont fait tomber ce gros rocher. Maintenant, je ne peux plus entrer dans ma grotte. J'ai essayé de le pousser, mais il est beaucoup trop lourd pour moi. Il n'y a pas à dire, c'est un gros rocher. Mais je suis sûr que si nous poussons ensemble, nous réussirons à le dégager. Hé, attendez-moi, je viens vous aider. Connie remarque avec joie que sa maman et son papa font bouger le gros rocher. Oh, oh. Sa maman et son papa sont très forts. En quelques secondes, ils dégagent l'entrée de la grotte. Génial, vous avez réussi! Bravo maman, bravo papa! Sans vous, je ne sais pas comment j'aurais fait. Comment puis-je vous remercier? Eh bien, disons que nous avons un petit service à te demander. Peux-tu nous héberger pour la nuit dans ta grotte?
Oh oui, bien sûr, avec plaisir, j'en suis ravie. Avant qu'il fasse trop sombre, les parents de Connie partent en quête de nourriture pour le dîner. Bob cueille quelques pommes bien juteuses, tandis que, de son côté, Marguerite fait appel à ses amis les fourmis qui lui offrent quelques belles noix. Cette nuit, Connie dort paisiblement dans la grotte, en compagnie de sa maman, de son papa et de son ami Pompon l'ourson. Au réveil du petit groupe, le lendemain, le soleil est déjà haut et darde la campagne de ses chauds rayons. Le moment est venu pour nous de rentrer à la maison. Merci pour l'accueil chaleureux que tu nous as réservé dans ta grotte, Pompon. Ça a été un honneur pour moi. Revenez quand vous voulez. Nous avons adoré partager ce moment avec toi, n'est-ce pas, Connie? Oh oui, c'était drôlement chouette, je trouve. Ça a été super de pouvoir passer une nuit dans ta grotte, Pompon. L'excursion de Connie a été remplie de belles aventures. Et il y en aura peut-être d'autres pendant son retour. Mais cela ne l'inquiète pas. Lorsqu'une difficulté se présente, elle sait qu'elle peut compter sur sa maman et son papa.